Et salut toutes et tous, c'est de nous retrouver aujourd'hui pour ce dernier Grand Prix de la tournée australienne. Et nous sommes ici à Adélaïde, donc nous allons faire un petit point sur le championnat. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire un petit point sur le championnat à la fin de cette tournée australienne. Et donc c'est Yann Azulion qui partira en pole position devant 20... Oh, allez, ils sont tous seuls. Ah ouais, il tourne en moins d'une minute. Ah ouais, mais c'est violent, 53. Mais lol, gros, mais c'est pas facile. Travail de ce GP. Ah ouais, mais les 13 premiers ont fait le même chrono. D'accord, donc Valentin, Yann Azulion devant Valentin Bocuitsem, Joe Vaxivière, Benjamin Nox, Alexandre Lebrun, Boris Akosek, Grégorio Régor, Aurélien Fox, Lucas Simu, Cyril Lebège, Colin Boesch, Jean-Baptiste Banane et Rubens Moreau ont fait exactement le même chrono, c'est abusé. Nous retrouvons ensuite Quentin Chomet devant Clément Broyard, le vainqueur du Grand Prix de Melbourne, devant Léo Darkness, et le poleman d'ailleurs de ce GP de Melbourne, Léo Darkness devant Aurélien Ménès, Phoenix Renaissance, Mehdi Ramout, Benoît Hurlin, Jeannot Cloutet, qui partira donc dernier sur cette grille. Et c'est parti donc pour la session suivante. Let's go. Et nous sommes ici à Adélaïde. Voilà, donc nous allons exit de monitor, bien sûr. Nous allons en caméra embarquée du pôle Mayanas de Lyon qui part à côté de Valentin Rocutsem. On peut le dire, c'est le départ de ce Grand Prix. C'est un très bon départ pour le poleman qui garde son lead face à Valentin Rocutsem. Attention, le départ, le bon départ également de Benjamin Nox. Et pour l'instant, ça, le départ a l'air de plutôt bien se passer. Il n'y a pas eu d'abandon. Il y a Benjamin Nox qui est juste derrière. On va voir s'il y a des... Oh, et Valentin Vauquutsem qui sort large. Et du coup, ça permet à Benjamin Nox de prendre la P2. Oh non. Et Yannès de... Oh là là. Oh non. Ils se prennent tous le mur. Oh là là. Oh là là, ils prennent tous le... Les trois premiers ont pris le mur à pleine vitesse et abandonnent. C'est terrible. Oh là 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 là, mais c'est n'importe quoi. Ah non mais là. Oh là là, et Alexandre Lebrun qui se retrouve sans aileron. Please. Oh là là, et Alexandre Lebrun abandonné dans les stands. C'est terrible. Oh là là, les trois premiers ont fait la même erreur et abandonné. Oh, et alors que leader, nouveau leader pour Isakosek Aspin et Mojo Vaxivière qui reprend le lead de ce Grand Prix. Nous retrouvons Cyril le Belge, le troisième, Cyril le Belge qui va peut-être prendre la deuxième. Oh là là! Et Cyril le Belge qui envoie pour Isakosek dans le mur. Oh là là! Et en plus, il y a une Toro Rosso en plein milieu de la piste. Je crois que c'est Quentin Chomet. Et c'était. Oh là là! Il y a des voitures devant. Oh là là! Il y a des voitures devant et c'est l'abandon pour Boris Isakosek. Oh là là! Et Mehdi Ramout qui est en plein milieu de la piste, c'est dangereux! Oh, et en effet, Darkness qui s'était pris, qui abandonne. Oh là 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 là, Aurélien Ménès dans le mur également. C'est un véritable désastre. C'est un... À nouveau, c'est un véritable désastre, ce Grand Prix d'Adélaïde. C'est un désastre. Et du coup, nous avons plus que 6 pilotes en piste. 5, pardon, puisque Boris Akosek est out, faut pas l'oublier. Et Mojo Vaxivière qui mène toujours ce Grand Prix devant les deux McLaren, Dorian Fox et Cyril Lepech. Ah là là, non mais sérieusement quoi. Et du coup il reste plus que 5 pilotes en piste. Clément Broyard, attention, qui a failli se manger le mur. Et oh, Mojo, non, Mojo est dans le mur. On veut voir le replay, on veut voir ce qui s'est passé pour Mojo Vaxivière qui menait le Grand Prix. Ouh, il a... Ouh, d'accord, il s'est pris. Ouh, ouais, c'est... il a eu un violent coup de raquette et du coup ça l'a emmené dans le mur. Bah oui, d'accord. Et du coup, les deux McLaren, Dorian Fox et Thierry Lebelge, qui mènent le Grand Prix. Dans le plus grand des calmes, attention que Fox qui spin. Et Thierry Lebelge qui spin également, je pense, pour l'éviter. Et il ne reste plus que 4 pilotes en piste au bout de deuxième tour de course. Aurélien Fox devant Thierry Lebelge, Clément Broyard et Jeannot Cloutet. Pour les cas. Oh, attention! Et Clément Broyard qui s'est pris le mur et qui abandonne. Oh, terrible! Clément Broyard qui a plus que 3 roues. On veut voir le replay. Attention, Clément Broyard, qui était troisième de ce Grand Prix. Qu'a-t-il fait, le pilote Mercedes? Ah oui, il a monté sur un vibreur. Il est parti en couille. Et il s'est pris mur.
Oh oui, j'ai... Ouf, ouais, il a failli faire la même, mais heureusement il s'est repris. Ah ouais, quel dommage pour le pilote Mercedes. Qui je pense aurait été très bien champion avec une P3. Bah du coup il reste plus que 3 pilotes en piste. Hein. Oh non, Jeannot Clouté is out. Jeannot Clouté is out. Terrible. Oh, Aurélien Fox est dans le mur. Et du coup ça fait que Cyril le Belge est le seul restant. Cyril le Belge est le seul restant ici à Adélaïde et c'est la victoire. Pour Cyril le Belge, oh mon Dieu! Et Cyril le Belge qui a tapé le mur. Et du coup il n'y a plus personne en piste. Bon ben, Cyril le Belge a gagné mais en abandonnant. Terrible, au bout du troisième tour, personne n'a fini le GP. Oh là 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 là. Oh non mais là, c'est n'importe quoi. Non mais les gars, mais... C'est Vidis hybride total, c'est totale désastration, c'est une destruction ce Vidis hybride, c'est n'importe quoi, ils savent même pas contrôler ça les pauvres. Sans déconner. Au bout du troisième tour, faut se rendre compte, au bout du troisième tour, tout le monde a abandonné. Vous entendez ce bruit? What? C'est quoi ce bruit? Eh ben voilà. Bon. Eh bien, j'espère que ce Grand Prix d'Adélaïde vous aura même plu. Donc, Cyril Lebèche qui s'impose devant son coéquipier Aurélien Fox, suit Jeannot Clouté, Clément Boyard, Mojo Max, Pietro Kozak, Darkness, Alexandre Brun, Mehdi Ramout, Aurélien Ménès pour les points. Les autres, évidemment, bon, ben, ne marqueront pas de points. Voilà. Eh bien, j'espère que ce JVP d'Adélaïde, comme je vous l'ai dit, vous aura tout de même plu. Donc, on se retrouve pour le début. Donc évidemment, on va faire un point sur le championnat avant l'apparition du quatrième Grand Prix qui se passera, donc on commencera la tournée américaine au Canada. Eh bien j'espère que ce GP vous aura plu. Donc on se retrouve pour le GP du Canada, le quatrième Grand Prix et le bilan, un petit bilan du championnat. Allez, ciao, bye bye, les habitués.